Mouchine invite tout le monde, y compris le gouvernement, réfléchir sur le fait qu'il y a peut-être un entorse au règlement, aux lois concernant la tenue de ce comité qui est finalement hier en vue de procéder à la nomination du speaker. Mouchine Diakhine a pensé que le député speaker se siège quasi vacant, donc il bound to preside over parliament. Et maintenant, il a un devoir à tirer l'attention du leader of the house, du clerk de l'Assemblée et de tout un chacun sur la possibilité de l'illégalité. Et non, raison de croire qu'une petite cour de justice déclare ça comme un comité qui est null and void. Et c'est dit null and void, aucune transaction qui peut faire durant un comité qui est tainted ou vu comme une transaction qui peut upheld. Mais de l'autre côté, ben du monde qui n'a le protesté, bien qu'ils aient un devoir de protestation, un devoir de record de non-agreement to what's going on, je peine le pouvoir de dire de gros juros, de gros mots, même si Parlement a siégé aussi. Parlement joigne par joigne le code pénal à dire ça. Dans ce cas-là, quelqu'un qui a une insulte ou dignité, à ce moment-là, il vient de protester. Il a privilégié, il a une immunité. Mon film voice out, mon opinion, ce qui est passé, ce qui m'en a pas, et c'est mon enquête qui me demande comme un fait qui m'a fait vérifier. Vous pensez que la suite des événements, c'est vraiment concerné même Cousin, d'accord, ou c'est le gouvernement, ou c'est l'opposition. Mais il est toujours, avant qu'il s'en la Cour suprême, il est toujours possible que le gouvernement rectifie le tir. Si je pensais, ce qui m'aurait dire, il est fondé en droit. Pas simplement my knowledge of the law, but rules of prudence. Il coûte moins cher pour qu'il leader of the house et leader de l'opposition joignent et dire OK, même si nous, comme gouvernement, on a raison, nous pensons qu'il y a plus de raisons de croire, qu'il y en a du moins, il y en a un doute, voilà. Il a fait ce qu'il va essayer, non, ça dit normal.